Si vous êtes mécontent de votre connexion Wi-Fi, vous avez raison. Impossible de travailler avec une connexion pourrie. Vous êtes les clients des hommes politiques. Ne l'oubliez jamais. J'ai rencontré des élus qui n'ont toujours pas compris l'intérêt de la fibre optique. C'est joli, ça, c'est quoi? Ah, un ordinateur? Ma secrétaire en a un aussi, pour taper ses courriers. Ils sont graves, ceux-là, très graves. Qu'ils soient maire, bourgmestre, député ou président de tout poil, ils n'ont pas compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, il suffit d'un ordinateur et d'une connexion pour travailler chez soi. Mais une connexion à haut débit, c'est-à-dire la fibre optique. Les élus qui n'utilisent un ordinateur que pour y mettre un pot de fleurs dessus ou envoyer un mail hebdomadaire, et encore, n'imaginent pas une seconde ce qu'on peut faire avec. Pas avec le pot de fleurs, hein, avec l'ordinateur. Messieurs les élus de tout poil, de gauche, de droite, du haut et du bas, sachez qu'on peut vendre à partir de chez soi toutes sortes de produits. Du jardin, par exemple. C'est une noix de coco! Ah bon? On peut donner des conseils gratuits ou bien télécharger des vidéos éducatives. Non, j'ai dit éducatives. On peut créer des vidéos qui sont ensuite vues dans le monde entier et gagner des millions. On peut envoyer des dossiers entiers ou des bouquins. Mais seulement si on a la fibre optique. Et regardez bien cette toute petite chose. Rien qu'avec cette petite clé USB, j'ai toutes les écoutes téléphoniques illégales du gouvernement. C'est rigolo, non? Vous les voulez? Eh bien, vous les aurez pas. Eh bien, comment voulez-vous que je vous les envoie avec la connexion toute pourrie que vous m'imposez? Vous l'avez compris, je suis obligé de quitter mon village et d'aller travailler à la ville à cause de ma connexion. Messieurs les politiques, voulez-vous résoudre le chômage? Voulez-vous résoudre le dépeuplement dans les campagnes? Voulez-vous faire plaisir à vos clients et récupérer leur vote? Eh bien, j'ai une bonne idée, installer la fibre optique dans tout le pays, y compris dans les petits villages. Et aussi dans les Hautes-Pyrénées. Arrêtez d'empêcher les jeunes de travailler. Bref, vous l'avez compris, chers amis, si vous en avez ras-le-bol d'avoir une connexion pourrie, faites circuler cette vidéo à vos élus, qu'ils soient maires, bourgmestres ou présidents, et dites-leur bien que vous voterez pour eux s'ils s'engagent à installer la fibre optique jusque chez vous. Et quand vous aurez la fibre optique, même si vous n'avez pas de travail, vous pourrez au moins regarder des films. Allez, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite le meilleur avec vos clients, et je vous dis à bientôt, et si vous avez aimé, vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos qui sont là. Voilà.